chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. As-tu compris, Passe-Montagne? Oui, cherche quelque chose. Un trésor. Oui, c'est ça, un trésor. Pourquoi? Parce qu'il est caché. Ah, il est caché. Mais tu sais pas où. Non, je sais pas où. Mais on va te donner un indice. Un indice? Oui. Mais oui, pour que tu puisses trouver le trésor. Oh, merci, Passepartout, t'es bien bonne. Oh. Voici l'indice. Hein, ça? Ça. Bonne chance, Passe-Montagne. Mais... Bonne chance, Passe-Montagne. Mais comment veux-tu que je trouve un trésor avec ça? Un pied de biche. Mais tu parles d'un indice, toi. Je trouverai jamais de trésor avec ça. Passe-Montagne. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'on peut bien ouvrir avec un pied de biche? Je sais pas. Oh! J'ai trouvé! Ça y est, je comprends. Il faut que je trouve quelque chose qui s'ouvre avec un pied de biche comme celui-là. Je trouve. Ah! J'ouvre. Je découvre. Ah, le trésor! Bon. Fouettons. Qu'est-ce qu'on peut bien ouvrir avec un pied de biche? Une porte d'auto! Une porte de réfrigérateur! Une garde-robe! Non. Soyons sérieux et cherchons. Oh, ouais. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que je peux ouvrir avec ça, moi? Passe-Montagne. Quoi? T'es assis dessus. Hein? Une caisse de bois! Ah, c'est vrai, je peux ouvrir une caisse de bois avec ça, moi. Bon, Ah, j'arrache le clou. À moi, le trésor! Un ouvre-boîte. Penses-tu que c'est ça, le trésor? Non, hein? Bon, mais c'est un indice. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir avec un ouvre-boîte? Des boîtes de conserve? Les boîtes de conserve! Où sont les boîtes de conserve? Hein? Entrez! J'ai assez hâte de voir ce qu'il y a là-dedans, moi. Tourne et puis tourne. Ça s'en vient, le trésor, ça s'en vient. Mais... Un coupe-papier? Mais... Oh! C'est encore un indice. Qu'est-ce qu'on peut bien ouvrir avec un coupe-papier? Une lettre? Oui, mais quelle lettre? Une lettre pour un cheval passe-montagne. C'est vous le cheval passe-montagne? Merci beaucoup. Une clé? La clé du coffre au trésor! Excuse-moi, je suis un petit peu énervé. Bon. Voilà. Hein? Une valise? Mais... Oh, veux-tu bien me dire comment elle s'ouvre, cette valise-là? Suis-je bête?
Une ostrea de la famille des mollusques labellibranches. Pardon, une huître. Voyons. Oh, je suis pas capable de l'ouvrir. Oh, ça valait bien la peine de chercher si longtemps. Oh, merci, Pascaro. Oh, ça prendrait un peu de citron. Oh, parlez-moi de ça, les filles. Un trésor qui se mange. Je vais passer à travers la feuille de papier. Je vais passer à travers la feuille de papier. Je vais passer à travers la feuille de papier. Ouf! Je vais passer à travers la feuille de papier. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues pas avec tes petits amis? J'attends ma mère. On s'en va faire une commission au petit dépanneur. Ah, ben regarde donc ça si c'est drôle. Moi aussi, c'est là que je m'en allais. Au petit dépanneur? Ben oui. Ben, tu peux venir avec ma mère puis moi, si tu veux. Ah, on peut bien faire ça. Donc, ta maman, qu'elle s'en vient pas. Elle va arriver, là. Ah, je pense à quelque chose. En allant au petit dépanneur avec ta maman, tu pourrais bien me faire ma commission. Ah, oui. Comme ça, moi, j'aurais pas besoin d'y aller. Je suis capable. J'en fais souvent des commissions. Ah, t'es un grand garçon. Tiens, avec ça, tu m'achèteras de la margarine Bouton d'or. Tu sais? Celle qui est d'un papier blanc. Je le sais. Un papier blanc avec des fleurs jaunes. C'est ça. Ma mère aussi, elle achète cette sorte-là. Ah bon? Bon, ben, bonne commission, puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand je vais chez mon grand-père, là, il me donne de l'argent pour acheter son journal. C'est facile, je traverse pas la rue, c'est juste au coin de la rue. Pauvre Bruno, je t'ai fait attendre longtemps. Je n'ai pas sortir, puis le téléphone a sonné. Regarde, maman! Madame Coco m'a donné 1 $ pour acheter de la margarine. Mais c'est moi tout seul qui va l'acheter, hein? Vite, viens! Hé, Bruno! Depuis quand tu traverses la rue sans regarder? J'ai regardé! Non, t'as pas regardé. Allez, donne-moi la main. Non, je veux pas! Je veux traverser tout seul! T'es trop excitée. Non! Il y a trop de circulation. Non! Donne-moi la main, j'ai dit! Non! Tu le sais pourtant qu'il faut regarder comme il faut, de chaque côté. Lâche-moi, je veux pas! Ça te donne rien de crier, je te laisserai pas la main. T'es pas fine! Lâche-moi, j'ai dit! Bon, tant pis. On traversera pas tant que tu seras pas calmée. Ça va mieux, là? On peut traverser? Oui. On regarde des deux côtés. Oups! Je me trompe pas, moi, quand je fais des commissions. Je m'en souviens toujours qu'est-ce qu'il faut que j'achète. C'était de la margarine Bouton d'or. C'est moi qui ai payé tout seul à la caisse. C'est pas ma mère. Ça coûtait 89. Il est revenu de l'argent. 1 cent blanc puis 1 cent noir. Ils sont dans ma poche. Mais c'était Madame Coucou. Bruno, attends-moi pour traverser la rue. Oui, je le sais maintenant. Je t'attends. Maman, là, je suis pas excitée. Veux-tu, je vais juste tenir ta manche, puis je vais pas courir en traversant. D'accord.
Je sais comment traverser. On regarde de chaque côté. Quand il n'y a pas d'auto, on traverse en marchant. C'est ça. Bon, écoute bien, Passe-Montagne. Voici un peigne et une fourchette. Pareil ou pas pareil? Un peigne, puis une fourchette. Pas pareil, parce qu'avec un peigne, on se peigne, tandis qu'avec une fourchette, on mange. Puis pareil, parce que les deux ont des dents. D'accord. Bon, maintenant, un bas. Et un soulier. Pareil ou pas pareil? Un bas et puis un soulier. Pas pareil parce que un bas, c'est mou, hein? Puis un soulier, c'est dur. Bon. Et pareil pourquoi? Pareil. Ah! Parce qu'on peut mettre son pied dans les deux. C'est ça? D'accord. Bon, maintenant, une banane et une tranche de pain. Pareil ou pas pareil? Une banane, puis une tranche de pain. Pas pareil, parce qu'une banane, c'est fait en long, et puis c'est jaune, tandis qu'une tranche de pain, ben c'est fait en carré, hein? Puis c'est blanc. Puis pareil, pareil, parce que les deux se mangent. Montagne, t'es trop bon! Moi, quand j'étais petit, je ne savais pas que c'était dangereux d'aller dans la rue. Des fois, les autos, ils vont vite puis ils ne nous voient pas. Quand je traverse la rue, là, je donne toujours ma main à ma mère puis je regarde toujours de chaque côté. Salut, Passe-Montagne. Salut, Passe-Partout. Excuse-moi, Passe-Montagne. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton habit d'homme grenouille? Je m'en vais faire de la plongée sous-marine. De la plongée sous-marine? Eh oui. Où ça? Ben, au fond de la mer. Ah, ben oui, hein? Ben, c'est vrai. Ça prend un habit d'homme grenouille pour aller au fond de la mer. Mais tu peux pas aller faire de la plongée sous-marine au fond de la mer. Ah non, pourquoi pas? J'ai tout ce qu'il me faut. Ah, mais regarde, non. J'ai mon maillot, j'ai mes palmes, j'ai mon masque pour voir sous l'eau et puis mon appareil pour respirer. Il me manque rien. Ben oui, Passe-Montagne, il te manque la mer. La mer? Ben oui, la mer, là, c'est très, 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 très loin d'ici. Mais non, Passe-Partout, la mer, c'est juste à côté. Côté? Oui. Où ça? Mais là, là, derrière la porte. Derrière cette porte-là? Eh oui. Eh non, Passe-Montagne. Écoute, là, derrière cette porte-là, c'est pas le fond de la mer, c'est notre maison. Tu te rappelles pas? Mais regarde comme il faut. Passe-Montagne! C'est la mer! La mer! Mais oui. Jamais remarqué, moi. Ah, ben, ouvre la porte encore, puis regarde. Tu vas voir s'il y en a des choses au fond de la mer. Bon, si tu le dis. Tiens! Qu'est-ce que tu dis de ça, Passe-Partout? Des poissons, des dizaines de poissons. Oh, on dirait qu'ils ont eu peur. Oh, de nous? Hé! Regarde-le donc, celui-là. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul, mon beau petit poisson? Ah! On dirait qu'il se cherche une cachette. Ah oui, mais... Mais de qui il peut bien se cacher? Ben, je le sais pas. Ah bon, il doit se cacher de ces poissons-là. On penses-tu qu'ils vont le trouver, Passe-Montagne? Ah, ça... Passe-Montagne, regarde! Il y a un oiseau! Un oiseau qui vole au fond de l'eau! Oh, c'est pas un oiseau, Passe-Partout! C'est un poisson, ça s'appelle une raie. Puis c'est comme ça que ça nage, hein? Ses nageoires sont comme des ailes. Ça, je connais ça. Ça, là, c'est de la dentelle de Neptune.
Ah, il me semble qu'on le connaît, lui. On t'aura pas vu quelque part, un petit poisson plein de barres? Oh, c'est... il se promène dans une fleur de mer, une anémone. C'est beau, le fond de la mer, hein, passe-partout? Avec tous ces poissons de toutes les formes, puis toutes les couleurs. Moi, j'aime juste les petits poissons avec des barres sur le dos. Puis, tu sais, Passe-Montagne, la mer, j'aime mieux qu'elle soit ailleurs que dans ma maison. Bon, ben moi, je m'en vais chez grand-mère. De toute façon, je peux plus entrer dans ma maison. Puis moi, je m'en vais faire de la plongée sous-marine. Hé, hein? Hey, Passe-Partout! Qu'est-ce qui se passe? Oh, la mer! La mer est plus là! Ah, oh, ben, tant mieux! Oh. Hé! Hey! Passe-Montagne! Oui. Regarde! La mer t'a laissé des souvenirs. Hey. Une étoile de mer. Une étoile de mer! Wow! Une éponge. Une éponge! Oh. Et puis, un beau coquillage. Oh, bien! On va écouter la mer. Je m'appelle Zig Zag 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 Zig Zag Zig Zag 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 Zag. Je cherche ma maman zan zan zan. Je cherche mon papa zan zan zan. Où sont mes parents zan zan zan? Que je ne connais pas, que je ne connais pas. Je ne peux pas être ton papa, mon ami. Pourquoi tu peux pas être mon papa, Zaza? Parce que je suis une maman. Une maman lapin. C'est sûr, ça, Zaza. Sûr, 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 sûr. Regarde-moi. J'ai du poil comme toutes les lapines. J'ai quatre pattes comme toutes les lapines. Je suis ton enfant quand même, peut-être, être, être, être. Regarde mes enfants, les lapros. Voici Bal, Belle, Bill, Bol et Bulle. Et comme tu vois, mes gentils lapros me ressemblent tous. Et vous avez tous une petite queue en boule, Zouzouzou? Oui, et de longues oreilles. Pas comme toi. Mais... peut-être que moi, je suis le papa des lapros, Zouzouzou. Oh, non, 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 je vais te le montrer. Le papa lapin. Il a du poil, quatre pattes, une petite queue en boule et de longues oreilles, zay, zay, zay. Alors, salut, lapine, lapin et lapro. Salut, Zouzouzou. Passe-Montagne, plus je te regarde, plus je trouve que t'as l'air d'une grenouille. Ben non, pas une grenouille, Pascaro, un homme grenouille. Un homme grenouille, pourquoi? Bien, parce que j'ai des pattes de grenouille dans les pieds, hein? Mm-hmm. Et puis parce que je peux sauter comme une grenouille. Mm-hmm. Salut, monsieur grenouille, tu as de longues jambes. Salut, madame grenouille, comme tes yeux sont gros. Salut, petite grenouille, comme ta bouche est grande. Saute, 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 petite grenouille. Nage, 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 tu n'as pas peur de l'eau. Saute, 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 petite grenouille. Nage, 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 tu n'as pas peur de l'eau. Saute, 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 petite grenouille. Nage, 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 tu n'as pas peur de l'eau. Je te parle plus jamais, jamais.
Mais si tu me parles plus jamais, moi non plus, je te parle plus. Bon, tant pis. C'est vrai que je parlerai plus jamais, jamais, jamais. Il est pas gentil. Il veut pas jouer à mon jeu. Moi, j'aime ça quand il fait le parc qui garde les enfants. Toi aussi, t'aimes ça, hein? Il t'amène dans la grande caverne voir le dragon. Oui, t'aimes ça. Ben alors, c'est moi qui vais faire le parc, puis c'est moi qui vais t'amener visiter le dragon. Mais c'est à Bruno, le dragon, mais oh, il va me le prêter, tu vas voir. Oh! Oh, je peux pas lui demander de me prêter son dragon. J'ai dit que je lui parlerai plus jamais. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je le sais! Bruno, veux-tu me prêter ton dragon? Tu m'as parlé! Non, je t'ai pas parlé. J'ai chanté. C'est pas pareil. Ben, moi aussi, je vais chanter. Oui, tu peux le prendre, mon dragon. Il est ici. Merci beaucoup. Les enfants, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Non, madame, t'as pas le droit de parler. Si tu veux dire quelque chose, il faut que tu chantes. Oui, comme nous deux. Ah bon? Grand-papa Bisson vient souper. Piou. Qu'est-ce qu'on va manger, ma petite maman? Du steak haché et des patates pilées. J'aime ça. Je suis content. Tant mieux, mon enfant. Bruno, c'est un gros gourmand. Bon, je vais aller préparer le souper. Tu m'appelleras quand grand-papa Bis sera arrivé. C'est promis, ma petite chérie. Canel, j'ai une idée. On va jouer au père et à la mère. Mais pas le droit de les faire parler. On va juste les faire chanter. C'est une bonne idée. Fait des bulles. Non. Babette fait de bien belles bulles. C'est ça? Non. Babette, la baleine, fait de bien belles bulles. C'est ça. Babette, la baleine, fait de bien belles bulles. Qu'en pensez-vous, madame la poule? Oh oui! Babette, la baleine, fait de bien belles bulles. N'est-ce pas, madame la girafe? Oh oui! Babette, la baleine, fait de bien belles bulles. N'est-ce pas, monsieur l'ours? Oh oui! Certainement! Babette, la baleine, fait de bien belles bulles. D'ailleurs, elle va vous le dire elle-même. À toi, Babette. Ploup. Babette, la baleine, fait de bien
Qu'est-ce que j'entends? C'est quelqu'un qui marche? Ou c'est quelqu'un qui court? Oui, 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 oui. Bon, il y en a deux qui rient au moins, hein? Il y en a deux qui rient de moi, par ça. Ben, ça a l'air, hein, qu'ils rient de moi. On n'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils se disent. Bon, ben, arrêtez, là, par exemple. Ou alors, dites-moi tout haut ce que vous me trouvez de si drôle. J'aime pas ça quand il y a des gens qui se disent des secrets devant moi puis qui veulent pas m'en parler une miette. J'aime pas ça. Oh, je suppose que je suis juste bonne à faire rire les autres, moi. Ça suffit! Bon, ça te donne agaçant tous les deux. OK, Passe-Montagne, dis-lui ce que je te disais. Ben, on voulait te faire une surprise. Mais si on avait parlé tout fort, ça aurait pas été une vraie surprise. La surprise, c'est que tu... Non, dis-le pas! J'aime ça, des vraies surprises, moi! Oh.